j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette pour soigner la grippe. Vous aurez besoin pour ça des feuilles de laurier, du citron, du miel et enfin des racines de gingembre. Cette recette est vraiment très puissante. Moi-même, ça m'a soigné de mon état grippal et aussi, surtout, ça vous désencombre de tout ce qui est rhume. Alors, c'est parti, je vous montre comment faire cette recette. Bon visionnage! Alors, mes pères, dans une casserole ou dans un micro-ondes, nous allons bouillir notre eau. Il faut vraiment que l'eau soit bien bouillante. Là, vous pouvez voir comment l'eau est vraiment bien chaude. Alors, dans un récipient fermé, nous allons laisser infuser nos feuilles de laurier. Il faut laisser infuser au moins 5 à 10 minutes. Il faut vraiment bien laisser infuser nos feuilles de laurier. De toute façon, vous verrez bien avec le changement de couleur d'eau. Ça veut dire que c'est bien infusé. Donc, nous allons laisser reposer ça pendant 10 minutes en ce qui me concerne et passer à la suite de notre tisane. Alors, après avoir lavé notre gingembre, bien lavé, nous allons découper pour faciliter le mixage. Donc, nous découpons en petits morceaux. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à me laisser un pouce bleu ou un commentaire afin de m'encourager. N'hésitez vraiment pas. Alors, nous allons mettre dans un mixeur et nous allons mixer nos gingembre. Une fois que nous avons mixé notre gingembre, nous allons prendre le temps de bien filtrer notre gingembre. Je peux déjà vous dire que ce nectar que nous filtrons là, vous pouvez également chauffer, mettre du citron et du miel et ça fait toujours office d'infusion, très puissant également contre la grippe et le froid. Donc voilà, c'est aussi une astuce si vous ne supportez pas laurier. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous arrêter à ce niveau, chauffer ce nectar et ajouter votre citron et votre miel. Donc bref, voilà. Donc une fois que nous avons bien filtré notre gingembre, nous allons également presser notre citron. Nous pressons notre citron afin de retirer tout ce qui est pépin. Donc voilà un peu la préparation que nous devons faire au préalable avant de commencer notre tisane. Sans plus tarder, nous allons rassembler tous ces éléments que nous venons de faire au préalable afin que notre tisane soit prête. C'est parti pour la finalisation. Alors, nous allons prendre une tasse. Nous allons mettre notre eau infusée avec des feuilles de laurier. Donc, nous allons prendre une bonne tasse. Voilà. Une fois que nous avons extrait notre eau infusée des feuilles de laurier, nous allons rajouter 2 à 3 cuillères de notre jus de gingembre. Donc, voilà, on va mettre 2 à 3 cuillères de jus de gingembre. À cela, nous allons rajouter du jus de citron. Moi, j'en mets 2. Vous pouvez en mettre un seul si vous en voulez. Ensuite, nous allons rajouter l'équivalent d'une cuillère de miel. Donc voilà, une fois que nous avons fait ça, on remue tout ça et notre tisane, elle est prête. Je vous assure, c'est une bombe cette tisane. Ça vraiment, ça nettoie, ça désencombre et c'est très bien vraiment. Donc voilà. Voilà pour le reste de gingembre. Pour la conservation, vous pouvez mettre dans un bol et laisser au frigo, ainsi que le reste d'eau infusée de laurier. Pour être laissé au frigo, ça ne se gâte pas. Donc voilà pour ce qui est du conditionnement. Voilà mes BF. Voilà mes BF, vraiment cette infusion est vraiment très bien. Comme je vous expliquais en début de vidéo, j'ai vraiment été durant toute cette semaine un peu prise par une grippe. Donc, cette recette de grand-mère m'a vraiment beaucoup aidé pour me libérer, en fait. Donc, à boire vraiment chaud les soirs, matin et soir, et vous verrez vraiment que vous serez désencombré. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et surtout, sachez que la vie est à moi. On se dit à très bientôt, mes BF. Au revoir.